ici, vous découvrez notre penthouse de 105 mètres carrés, de deux chambres. Le séjour fait à peu près 35 à 40 mètres carrés. Cet appartement à Uccle est l'un des derniers encore en vente du projet. Sa construction vient de se terminer et offre un compromis entre ville et champ. Il vient compléter le tissu urbain en lisière de Natura 2000, de la zone Natura 2000. Il vient apporter un flux de population au secteur et également deux locaux commerciaux qui amènent un peu d'activité dans ce secteur qui est plutôt résidentiel. Ce genre de construction pousse comme des champignons dans le quartier Prince d'Orange. Dans un écrin de verdure se cache un grand projet. On construit un tout nouveau quartier. On a déjà construit les rues, donc l'infrastructure est prête. Elle consiste en deux voiries en cul-de-sac. Donc il n'y a pas de trafic étranger au site qui accédera. Il y a 11 immeubles d'appart qui vont être construits, en total effectivement 238 appart et 60 maisons unifamiliales. Un projet mal accueilli au départ par le voisinage. Les gens qui avaient l'habitude d'avoir plutôt des arbres dans le fond de leur jardin ont trouvé évidemment un peu dommage qu'on vienne construire plus loin que chez eux. Mais ça c'est un phénomène assez naturel finalement dans l'immobilier. Et aujourd'hui en tout cas on constate qu'ils sont plutôt contents. On a un bon contact avec eux, notamment en ce qui concerne les plantations. Du côté des riverains, certaines problématiques sont pointées du doigt. Ces projets ont un impact sur le quartier. Aussi bien au titre de la mobilité qui va être compliquée par l'afflux de nouveaux habitants et aussi par la réduction des espaces verts. Autre fait reproché, la commune accorderait trop de dérogations aux promoteurs immobiliers.